La Banque mondiale vole au secours des ONG gabonaises qui ont reçu du matériel informatique pour renforcer leur capacité d'autonomisation. Le point est clair, Mekwi Movono, Victor Mundunga. En remettant des ordinateurs à 5 organisations de la société civile gabonaise, la représentation de la Banque mondiale à Libreville ne pensait pas si bien faire. Le don est d'une importance réelle pour le bon fonctionnement de ces structures. Le don de ce jour est justement notre contribution à l'renforcement des capacités des ONG gabonaises. Le don est composé d'un routeur, 11 ordinateurs de marque Dell, 11 écrans plats de la même marque, 2 serveurs, 2 modems satellitaires, soit au total 28 appareils. Et ce sont au total 5 ONG qui ont été sélectionnées au regard de leur dynamisme. Pour les organisations de la société civile gabonaise bénéficiaires, la dotation arrive à point nommé. On reçoit ce don comme une reconnaissance du travail que nous abattons au niveau du Gabon dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le genre. Et nous croyons que cette dotation nous permettra d'implémenter un programme d'alphabétisation numérique à l'endroit des femmes et des jeunes pour être en phase avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Nous avons eu espoir et la patience a payé, c'est-à-dire notre association a des manquements concernant son fonctionnement. Nous ne pouvons que réjouir et remercier la Banque mondiale et surtout demander aux autres agences des Nations Unies ainsi que les ambassades d'emboîter le pas. C'est important donc aujourd'hui que nous venons de recevoir. C'est le résultat d'un long travail, d'une bonne collaboration avec la Banque mondiale. Et nos efforts aujourd'hui ont été récompensés parmi tant d'autres associations que vous avez vues sur le terrain qui œuvrent aujourd'hui pour le développement de la culture des peuples pygmées du Gabon. Voici bien des équipements qui devraient contribuer à l'amélioration du fonctionnement de ces structures, lesquelles œuvrent activement chacune dans son domaine de compétences pour le bien-être des populations gabonaises.